Bonjour à tous. Bienvenue sur le Légion GTX Challenge 2017. Je suis Zerator. Je suis pas de marque. Comment vas-tu, Xavier? Eh bien, tout se passe bien, ma foi, mon cher Adrien. Bel après-midi d'automne. Les joueurs ont un joli teint et ils sont prêts pour gagner. Et oui, sur Destiny 2, Destiny, on en reparlera tout à l'heure, un jeu sur lequel nous sommes spécialistes, comme vous, j'en suis sûr. J'ai l'impression qu'il y aurait 5-1 pour la France. Est-ce que le en haut 5 lives 1, ce serait le score, à ton avis? Écoute, je vais leur essayer de comprendre, Xavier. Je pense qu'on n'a pas besoin de communiquer là-dessus, car tout le monde le sait. C'est vrai. Donc ça serait à prendre puisque un petit peu monde, les gens pour des idées. Puisque tout le monde sait lire l'interface du jeu, on va passer sur ce qui est le plus important, le commenter beau, le beau jeu. Les viseurs qui s'alignent sur les adversaires. Voilà, et alors qu'on vient de voir un triple kill... Alors que 20 secondes à tenir, donc est-ce qu'on Chiraya est bien en duel contre ESL France 5. Il monte sur des modules, il fait des wall slides. Nous avons un pistolet côté Stratus. Alors, ah, je vous rappelle bien évidemment, il donne des coups de pistolet que nous allons passer quelques heures. Zéro Destiny 2. Alors, il faut que je vous précise aussi que oui, tous les loots sont à équivalent puisque ce sont sur des... Et c'est perdu. Car la zone a été capturée. Et c'est perdu pour visiblement l'un des deux pays. Attendez, ce serait un 2v1 actuellement. Oui, c'est ça. Il ne reste que Stratus, oh là là, de l'équipe espagnole. Jiraya qui est-ce? Est-ce que c'est le moment? C'est peut-être l'occasion pour qui accompagne Jiraya dans ses exploits. Jiraya, qui accompagne Jiraya? Qui suit ESL France 2? Allez, vite, mon téléphone Lenovo. C'est Terracide. Et Jiraya, ça y est, ils ont vu l'adversaire. Et je crois que c'est fait. Incroyable, cul. C'est incroyable. La France est championne du monde. Elle arrive à mettre son incroyable premier. Oh, c'est beau, ESL France 7 qui est pourtant menée cette équipe espagnole. Alors que nous avons peut-être enfin compris le but du jeu. Les total. Français. Les joueurs français qui retrouvent le chemin du frag. Exactement, Xavier. C'est un BO7, m'indique-t-on. BO7. Ah, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de se faire caca voilà, dessus. On n'a plus le droit c'est à l'erreur. C'est tout pour rien. Quel dommage, ce réveil tardif des joueurs français. Comment sais-tu que c'est un BO7? Je sais pas, le chat le spam. Visiblement, ils ont des informations que nous n'avons pas. C'est parce qu'ils se disent que si c'est pas BO3, c'est BO7. Sûrement. Je viens de vérifier, c'est sûrement ça. C'est terrible ce qui vient de se passer, Xavier. Première défaite. Il va falloir cuisante. Débrief tout ça. Oui. Pour première défaite cuisante pour la France qui perd son match sur Destiny 2. Voilà, pourtant nous avions les cartes en main et nous aurions pu faire la différence grâce à nos joueurs d'FPS, notamment Link, Terracide, Moment. Mais de préparation à Jiraya et Moment qui ont commencé à jouer au jeu ce matin. Et oui, mais un peu comme tout le monde, Xavier, je suis un petit peu déçu, je te cache pas, puisque il me semblait que c'était sur ce jeu-là qu'on pouvait marquer quelques points. Eh bien, c'est peut-être, oui, en effet, une des seules chances pour l'équipe de France de briller qui vient de s'évaporer sous nos yeux. Pourquoi y a-t-il écrit qu'il y a 2 à 2? Terrible. Il y a 2-2? Incroyable, Maître Véreux. Maître Véreux est déjà présent. Heureusement, vous savez, tout est possible dans le gaming. C'est bon, voilà. Il a touillé le cerveau des organisateurs. Et donc l'Espagne a gagné, mais il y a 2-2. Eh bien, bravo à l'équipe de France hein, qui. Bravo à eux, bravo. Je qui remonte que... d'une sacrée frayeur. C'est quand même, we are in France, we speak French. C'est vrai que voilà, la compétition se passe en 2-2. France au bout d'un moment. Il faut peut-être pas. On n'est pas venu ici pour souffrir. Déconner, ok. Alors que, évidemment, nous voyons également nos confrères anglais qui. Alors, et non, vous, ont... non. Oui, non, mais ils ne le voient pas, mais j'aperçois mes confrères anglais qui évidemment jouissent. De notre précédent caster booth. Oui, c'est vrai, cette année, Xavier, nous n'avons pas eu la chance d'être dans la salle prestigieuse. Oui, peut-être pas assez de viewers sur notre live. Le carré VIP. Alors, je vous rappelle évidemment que si jamais vous êtes 20 000 spectateurs sur ce stream, nous pourrons évidemment faire pression sur l'organisation pour leur dire virer les Anglais, ça suffit, on est 20 000, c'est ridicule. Et oui, donc, car les Anglais font bien trop de viewers pour nous, on visiblement. On compte sur vous, d'autant plus que voilà, c'est quand même une compétition qui se veut européenne. On ne sait pas ce qu'ils font là. Exactement. Je vois pas pourquoi ce serait pas le français, la langue évidemment de l'Europe, comme vous le savez. Alors, UK qui va jouer en bleu. Comme chaque équipe d'ailleurs. Comme incroyable. Toutes les équipes vont jouer en bleu, visiblement. Nous y sommes alors que voilà. C'est parti. Des armes à feu sont déployées. Alors que les mouvements sont fluides. Des balles sont tirées. Des personnages se déplacent. Des pouvoirs spéciaux dominent l'arène. Les barres de vie fondent comme neige au soleil dans ce décor éternel. Les barres de vie voilà, se déplacent. C'est ça, 0 secondes, life advantage, ils ont l'avantage de la vie et ils vont devoir rusher
C'est... Et non. Voilà. Voilà, je pense que tout est clair. Et c'est voilà, donc 1-0 pour les 6. Guys, good luck. Thank you. Oh, no handshake. It's the Swedish, he just wants to get... That's even more rude, dude. Have a hug, have a hug. Yeah, thanks. Good luck to Team Poland, good luck to Team Nordics. We have some incredible competition coming up. Talking of incredibleness, let's go straight to our caster desks and see what they have to offer. Guys, up to you. Oh, incroyable, terrible, les relations polono-suédoises absolument détruites. Alors qu'on nous avait briefé. Xavier, c'est la catastrophe. Ah, c'est la caca, c'est la tata. Alors qu'on nous avait dit qu'on était là pour la beauté du sport, pour la beauté du e-sport. On a briefé les Français, on leur avait dit attention, on parle pas des mères. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On a le handshake complètement deny par le joueur Nordics. Incroyable, retour au début des années 2000, une violence sans précédent. C'est terrible. Ah, eh bien, mesdames et messieurs, alors visiblement, on n'avait pas le droit de commenter le montage de PC. Ça aurait été dommage de ne pas commenter ça quand même. Mais on a truandé la régie et on leur a dit non, mais baisse le son, on s'en fout. Et du coup, on va vous commenter ce montage de PC. Et sans facturer plus, car nous sommes vraiment des grands seigneurs. Car nous sommes avant tout là pour la passion et voilà, et l'amusement. Ouais, mais c'est vrai que du coup, voilà, la carte graphique rentre à peine, il faut réussir à la caler. Et on force hein, de ce côté-là, on va essayer de casser un maximum de choses. Ah ouais, la carte graphique est deux fois plus grosse que le PC, c'est terrible. Il branche l'alimentation à la carte graphique. Alors attention, qu'il se rend compte qu'il a une alimentation de 100 watts. Ah mais qu'est-ce qu'il fait? Ce PC va sûrement casse tout. Oh là là, incroyable et vrai. Il casse tout. Oh là, de l'autre côté, c'est incroyable, déjà terminé. Incroyable erreur du joueur 6. Ah mais c'est polonais qui a fini. Oui, c'est en fait le polonais qui est bien là. Il a mis... Ils avaient peut-être oublié l'alim côté carte graphique, erreur de débutant. Incroyable, et le PC qui fond dès l'allumage. Oh là un là. Grand moment de liesse. Les Polonais ont l'air sereins. Le juge est là pour vérifier si le travail était bien accompli. C'est incroyable comment les Polonais. Ah, peut-être les Polonais ils ont oublié la ligne de la carte graphique. J'arrive pas à voir parce qu'il y a le bandeau. Il reste 3 minutes 40. Il y a le bandeau build your PC. Ah, oh là là, check the groove. Ils ont réussi boom, à finir avant the room. C'est impossible. Alors que l'autre il monte des PC toutes les semaines. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il monte comme PC quoi. Mais comment c'est possible? Il monte des PC de merde pour des mamies dans son cybercafé qui est resté ouvert par un espèce de deal. Un petit peu tendancieux avec les autorités locales. Car en effet, force est de constater qu'ils ont fait tomber cette GeForce et n'ont jamais réussi à terminer ce PC. Ah, Overwatch, le jeu de mon cœur, bien sûr. Alors, on va jouer. Oui. Évidemment, à Overwatch. Tu connais le nom de cette map, évidemment, Xavier. Ah, bien évidemment, c'est. Oui, c'est le. Bien entendu. La Star Academy. C'est le château d'Amaryllis. Est-ce qu'on a besoin de nommer cette carte vu que tout le monde la connaît? Là, parce qu'on va jouer Oasis à un moment, mais ce n'est pas Oasis. Mais c'est pas Oasis, bien entendu. Évidemment. Ce n'est pas Oasis, Xavier. Alors, la game commence. La game commence. Contrôle de zone, bien sûr. Alors, l'équipe rouge, c'est l'équipe Nordics. Enfin voilà, donc du coup l'équipe bleue quand t'es, ça passe sur eux. T'es sûr. L'équipe qui est sur le point actuellement, c'est l'équipe Nordics. On a voilà une excellente Italiens. Diva menée par. Ah si c'est Oasis. Enderzel. LOL. Mais oui, mais bien évidemment parce que moi j'avais vu que l'intérieur, alors que là l'extérieur. Calme-toi, Xavier. Entendu, calme-toi. Les palmiers, le Jujura. Bon alors l'allemand il a été sympa. Il plusieurs a dit, indications. Ouais. Voilà. Oui. Il a dit alors on n'a pas des joueurs spécialisés Overwatch dans notre équipe mais il y a quand même 4 joueurs de FPS. Vu qu'on dose les FPS toute notre vie, bon il y en a qui ont joué moins que d'autres. Lui il a joué que 160 heures Overwatch, l'autre n'a que 140 heures. On s'est entraîné qu'une semaine, bon. Ça devrait l'effectuer nous a-t-il dit. Bon alors zéro trash talk. Voilà, c'est resté très cordial. Hein. Voilà. Ça va nous voilà. En même temps il n'était pas contre les Nordiques. Oh mon dieu, Terracide avec une perruque, c'est magnifique. Ce swag incroyable, Francis Lalanne. Oh et oh là qu'il est tout chatoyant. Oh, il, a oh des... il est tellement. Il est soyeux. Il a des airs de hard corner un peu. J'avoue. Mais lui, elle a l'air particulièrement soyeuse hein, sur l'un. Ah ouais, elle est. Ah ouais, j'avoue. Incroyable, le poil extrêmement soyeux. Head and shoulders. Head and shoulders. Les cheveux cassants. Ah mais qu'est-ce qu'il branle le moment. Le, oh là, le cousin machin. Oh Jiraya, c'est terrible. Mais Jiraya, elle a pas de perruque là. Putain, Rastafari quoi. Putain, mais Terracide, on dirait un junkie. Ah, c'est terrible. Ah, alors visiblement, il y a une perruque aussi à gauche du côté allemand. Ah. Et mais c'est terrible ce qui est en train de se passer. Mais qu'est-ce qu'il fout ce non, con mais, arrêtez-le tout de suite. Il est insupportable. Oh là là, mais incroyable. Pff, après, il va dire ouais, je voyais rien. C'est vraiment un enfant des années 90. Oh là c'est là. Un gros prankeur. Catastrophe.
Alors on est à 80%, est-ce que les Français peuvent le faire? Est-ce que le 4 peut le faire? On a quelques ultis, faut absolument que Moment ulti, parce que Moment n'a toujours pas ulti, mais ça c'est une catastrophe totale, mesdames et messieurs. Ou alors il l'a fait, non il ne l'a toujours pas fait. Il mais pourrait, il bien sûr qu'il il pourrait parce qu'il est à 90%. Et là, s'ils arrivent à annuler un respawn, alors là ce serait maintenant, on aurait le poids qu'ils n'aient même pas contesté. Mais non, il peut la garder. Allez, la France. Ça peut la faire France, un carnage là-dedans, ça va tenir. 3%, ils seraient plus là. 2%, si ça y est, le conteste. 1%, le conteste, incroyable, le conteste qui va se faire ouvrir. Voilà, c'est la magnifique grenade de Moment. Attention, c'est la dernière attaque des Allemands. C'est le Blitzkrieg tenté de la part des Allemands. Mais ça va être raté. Twidek est sur le point, qui est éliminé. C'est fait. La France gagne ce point, Moment. Champion du monde. On est champion du monde. Et Moment qui se lève. Moment qui trash talk, on l'a vu insulter en allemand ses adversaires. Avec le 4, bien entendu. Regarde-le, il est là, il a dit let's go, let's go. Il lève les bras, Link un peu plus timide, mais tout de même, insultant. Moment, voilà, il fait des bisous, hein, il les insulte. Très très bon Junkrat de Moment, il n'a pas switché cette fois-ci, donc on a joué à 100 heals, 100 tanks. Ah non, rien du tout. Parfait. Dommage, ça serre des mains. Moment qui... Ah, regarde là. Aleb, ne me détruisez pas les oreilles. Ce n'est pas la peine. Oula. Des quatre sont débranchés, au secours. Qu'est-ce qui se passe? Au secours. On essaie de nous tuer. On essaie de nous... On essaie de nous faire du mal. Il est en faux contact, madame. Je ne sais pas si vous l'entendez. On est... Mais d'où? J'ai un faux contact. Au secours. Au secours. C'est bon. A priori, je l'ai réglé. J'ai un faux contact quelque part dans mon câble qui nous a assassiné les oreilles. On a perdu 50% de nos conditions. Au secours. C'est bon. J'arrive plus à allumer mon caliento. Alors que voilà, il est là donc avec sa petite bouillotte, Adrien, bouillotte électronique, hein, visiblement, et la technologie dépasse la compréhension de l'homme. On voit un Adrien extrêmement perturbé. L'homme face à la machine. Face à cette machine, hein, vous avez sûrement vu cette vidéo virale de ce robot qui tape des saltos arrière. Absolument. Et incroyable. Qui se viande. Voilà. Et quand on voit déjà ce que peut faire une bouillotte face à un homme. Alors on se demande quand un bipède. Ça va être terrible. Quand il y aura des bipèdes. Ah, les androïdes vont vraiment nous mettre une misère incroyable. Imaginez des bouillottes bipèdes, ce serait. C'est terrible. Ce qui est en train de passer. Attends, mais alors j'ai pris l'électricité à travers l'oreille là. Incroyable, il est en train de. J'ai pris le jus des oreilles. Moi je vais augmenter mon cachet. On risque notre vie ici. Venez nous chercher. Au secours, on a mal. A tout de suite, hein, c'est la pause. Ah non. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Alors qu'en coulisses. Après le studio, une énième humiliation est en train de se mettre en place. Je vais tenter de mettre cette merde. Il va le bêta tester. Mais attendez. Alors oui, je l'ai mis actuellement. Voilà, vraiment incroyable. Qu'est-ce qu'il est drôle. On voit vraiment rien. Superbe. Alors que le match a déjà commencé, évidemment. C'est vraiment un truc de fou ce masque de cheval. Des barres de l'homme. Regarde. Nous sommes actuellement XPTDR. Ce soir c'est Wiz, c'est LOL, c'est MDR. En tout cas, 30 secondes c'est de jeu. C'est Kiss Kiss Chiwip. Alors que alors, là, objectivement, personne. Oh, non, alors que personne n'a l'air de savoir jouer au jeu. Ah, il reste Rainbow Six, ouais. Rainbow Six, Adrien est un grand spécialiste du jeu, vous allez voir. Ouais. Ça va vraiment être un casque de qualité. Ouais. Qu'en pensez-vous, Arsène? Oui, tout à fait. En tout cas, de partout, ce match, à défaut d'être intéressant, est extrêmement serré. Oui. Alors que nous avions vu ce match, et oui, mon cher Adrien. Ah, les balles frise en l'air, elles restent en l'air. Le freeze n'est jamais utilisé tactiquement, les mecs sont en train attention, de spammer. Attention, regarde, personne, mais personne ne se décale du mur pour en faire quelque chose. C'est terrible ce qu'on est en train de voir, ça spam les bonus. Sans vraiment savoir ce qu'il fait, la tornade du pif, le punch. Attention, ça grappine pour Tape. Aerial hit. Comme quoi Nordique suédois. Ah, c'est frise en l'air, intouchable. C'est vraiment terrible ce qu'on est en train de vivre. C'est la mort de l'e-sport peut-être. Remaining. Et qui est en train. Pour l'instant, on est bien parti pour avoir une prolongation. Avec ce match, nous sommes peut-être en train d'assister à la mort de l'e-sport, mon cher Adrien. Alors que la game commence, Xavier. Oh putain, mais c'est tellement fort, ferme-la. Alors que nous y sommes avec l'agence touriste mexicaine, visiblement arborée par Adam, le joueur britannique. On est quelle couleur? Alors que là, qui est déjà en train d'entrer la butte. On est bleu. Et le centre était... on a les noms, incroyables mais vrais du cul. Ils ont leur nom. On est bleu.
Oh regarde, Jiraya, Terracine, ils l'ont fait, oui. Et oui, parce que c'est par Steam, alors on peut modifier. Oh, Jesus Christ the Bien Lord. Joué. Incroyable mais vrai, nous allons pouvoir lire l'action, dommage comprendre qu'on ce qui se passe. Pas de mode ops. Alors, il faut suivre uniquement Link, c'est le seul joueur qui compte. Voilà, Link il sait ce qu'il a à faire. Le problème c'est que voilà, il va y avoir des tornades en compte sur le backboard. Link, oh Link qui s'est fait téléporter. Oh, Terracine. Oh oui, Terracine qui cadre. Oh là là, et bon. Terracine sur une passe de Link, donc. Bravo. Incroyable mais vrai. Alors que Link s'était fait téléporter, hein, parce qu'on a aussi ce pouvoir là de prendre la place de quelqu'un pour se téléporter à sa place. Visiblement un goal en état de mort cérébrale. Ouais, non, il n'a rien fait, il a vu la balle, il était. Il n'a rien pu faire. Voilà, il était spectateur de sa défaite. Ah, elle est prise en l'air, Link qui s'y dirige. Oh, mais on a quelqu'un qui fait de l'aérien côté UK aussi. C'est Stoday. Le duel aérien. Alors, Terracine, du coup, ça se transforme en centre. Link a été TK, attention. Défoncé. Non. Oh, c'est terrible parce que Link s'est fait pousser. Et oui, c'est Terracine en plus qui l'a renvoyé dans son but. Regarde, voilà. regarde Link qui s'est fait pousser par Jiraya et qui n'a pas pu défendre. Donc, et Jiraya, terrible. Autant pour moi. Non, mais l'entonnoir, c'est bien. C'est rigolo, l'entonnoir. Ah, on s'amuse. Non. Et non, autant pour moi. Donc, oui, avec le magnet, c'est Terracine qui l'a ramené dans son but. Je croyais qu'il s'entrait pas. Du tout, Terracine qui a fait de la merde en marquette, mais il avait marqué au préalable, donc on lui pardonne. C'est vrai, et Jiraya qui avait pour l'instant qui avait heurté Link, malheureusement, confusion, cafouillage dans la défense. Link qui centre parfaitement. Oh, Terracine ! Terracine ! Incroyable. Du cul, Link magnifique, le centre parfait. Terracine qui coupe au deuxième poteau, c'est parfait. Voilà, quand on joue pas avec les objets et juste avec le skill, tout se passe très très bien. Bravo. Et 2-1 donc à la mi-match. Incroyable l'engagement, tout le monde s'est commit. Hat-trick the French player. Unbelievable. Terracine qui profite de cet engagement absolument confus où tout le monde s'est commit pour aucune raison. Attends, est-ce que j'ai. Oui. Aurais-je consommé la mauvaise drogue? Ou la dernière fois, c'était une journée. On avait fait une journée très longue. Deux jours, non? Je ne sais plus. J'ai fumé du mauvais shit. Je me rappelle pas. Qu'est-ce qui se passe côté journées. Italien? Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont marqué au bout de la première seconde. Directement. Et regarde, il est Terracine. Incroyable. Mais rassieds-toi, qu'est-ce qu'il fait? Et voilà, il retouffe plus la chaise. Bah bravo le veau. Bravo le cheval. Bravo le cheval. Le cheval, ça m'a pris très tôt. Ça. Hein. Alors que. Oh là là, incroyable. Alors qu'une livraison. Et lui, il voulait du chaud. Il va trouver le moyen de se plaindre alors qu'on lui amène. Non, je sais pas trop. qu'on lui amène de la bouffe. Moi, ça ira. Terrible. Moi, ça ira. Mais toi, attends, mais t'en veux pas, toi? Ah si. Moi, évidemment, je suis là, toujours présent pour les soirées de l'ambassadeur. Tu sais quoi? T'as qu'à la laisser là. Non, mais quand même pas. Quel assassin. Je sais pas c'est à quoi. Alors qu'on entend ces mastications. Nous y sommes. J'adore quand tu mastiques. Bien entendu. Alors, c'est surprenant quand même de tout de même. Merci beaucoup de voir. Merci. Merci. Les Italiens ouvrir le score. Oh putain! De voir les Italiens ouvrir le score alors que les Espagnols normalement sont rodés comme des machines de guerre. Oui. Mais bon, évidemment, là on est sur un jeu plus bon appétit. Spécifique. Ah, but! Oui. Oh, raté. Non. Dommage. C'est bon, pas. Oh là là, Mister FV. Alors qu'il y a un truc difficile à mâcher, hein, c'est pas. Moi je m'étouffe! Scoop! Ah, attendez, c'est normal. On rentre dans la phase de confusion et de digestion. Exactement. Les Nordics qui sont très en forme. Oh là, attention, peut-être oh là l'occasion là, pas du ici tout pour si les Bleus. Full cadré 2-0, le break est fait. Oh là là, il en peut plus. Non mais calmez-le. Non, ils sont beaucoup trop dans la. Oh, je les aime pas. Je les aime pas, je les déteste. Oh là, il a perdu ses lunettes. Beaucoup l'autre. Trop dans l'acting. Voilà, il casse le matériel. On a quand même affaire à des PC les nouveaux qui marchent très bien. Donc s'ils pouvaient éviter de casser le matériel, s'il vous plaît. Je les aime pas, carrément. Non, je les déteste. C'est officiel, je les déteste. Ça juge. 2-0, donc, et il y a 2 minutes à jouer. Donc que l'Espagne revienne. Alors il reste 30 secondes. 25 secondes. Et il ne se passe pas rien grand chose du tout. Ma foi. C'est vraiment un des matchs les plus catastrophiques qu'on ait eu l'occasion de voir. Et c'est peut-être la mort de l'e-sport qui est en train de se dessiner devant nous. Encore une fois, Xavier. C'est Espagne-Italie. Encore une fois, Xavier, 9 secondes. 9 de calvaire. Secondes, c'est bon. Nous sommes 5 secondes de cauchemar. Mais encore un film. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va bientôt pouvoir passer à Rainbow Six Siege, le jeu d'Adrien. Champagne. Quelle patte. Bravo, en tout cas, à l'Italie qui marque son premier point.
Et ça. Et pas des moindres. C'est beaucoup de plaisir, voilà. Qu'il marque quelque chose. Voilà, il est très content. Là, il en fait plein les caisses. Il bouge, il touche à la webcam. Il salue sa maman. C'est pas ce qu'ils font. S'ils pouvaient quitter les lieux. Voilà, ça serait parfait. Les serrages de main et les sourires sont tout de même sur toutes les lèvres. Ils n'en peuvent plus, qui étaient venus là pour boire du champagne. Voilà. Alors, est-ce qu'on se le commande finalement, ce montage de PC? Ah oui, parce qu'on n'est pas obligé. Espagne, Angleterre. Ça dépend, il faudrait aller voir quel est l'état de la nourriture. Oui, les autres streams ne les commentaient pas. Hein. Alors que là, qu'est-ce qu'il y a de narrateur? Ah maintenant on commente. Mon PC il parle. Ferme-la mon PC. Mais arrête, on est en train de se battre pour la souris. Arrête. C'est mon PC. C'est mon PC Lenovo, bien sûr. Arrête immédiatement. Incroyable. Il bon, communique. Incroyable. Oui, parce qu'on a branché, nos deux claviers et nos deux PC. Oui. Comme ça, voilà, dès qu'on a envie de faire des trucs, on se bat comme des abrutis pour celui qui gagne, celui qui bouge la souris le plus vite. Bon bref, ce n'est pas c'est très e-sport. Alors vous voyez que la carte mère est placée horizontalement au lieu de verticalement d'habitude. On est sur un boîtier micro ATX, mesdames et messieurs. Pas beaucoup de place pour bricoler avec le câble management. Aïe aïe aïe, on n'arrive pas à enlever ça. Il se demande s'il manque pas des vis, mais non, il n'en manque pas. On dirait moi quand je monte mes meubles. Terrible. Rien que démonter la porte est un problème. Alors attention, il ne faut pas enlever des connectiques existantes, mais pourtant alimenter le SATA. Qu'est-ce qui se passe? Ah, là, c'est le SATA. Il insère déjà le disque. Alors je crois qu'il l'a mis à l'envers. Il l'a mis à l'envers. Il l'a juste foutu en mode j'en ai marre. Je le pose. Ah, c'est ici, c'est chiant. Alors que la RAM est montée. Alors qu'on a commencé par les deux barrettes de RAM. Incroyable. 32 mégas de SD RAM. Ah, et cette GeForce GTX alimentée avant d'être placée. Peut-être une erreur. Tant de puissance. Il faut évidemment les doubles broches, les doubles voilà, broches. Il faut bien l'alimenter. Sachez évidemment que si jamais elle tombe en panne, elle fait un excellent cale-porte. Évidemment, un excellent cale-porte. Mais en tout cas, elle est là. Cette bonne mousquette, là, qu'est-ce qui se passe? Alors que le caméraman, visiblement, devient fou. Incroyable, des années de reportage pour Ushuaïa reviennent en lui. Ils ont même pas affixé le disque sur le range-disque. Qu'est-ce qu'il fait avec son SSD? Paf, paf, oh là là, il en a rien à foutre, vraiment. Il va le mettre sur le range-disque, mais l'habillage prend toute la place. Ah, terrible ce cable management. La carte graphique le plus salement possible. Voilà, ce cable management qui nous rappelle les pires hentai japonais à tentacules. C'est vraiment chaotique. Yamete, Kudasai, Oni-chan. Rainbow Six siège, a priori, un jeu un petit peu capricieux. Un setup qui a pris un peu plus de temps. Nous espérons évidemment que tout va. Ah, vous l'activez ça chez moi. Mais je sais pas, mais comment on a activé cette merde déjà? Et comment je vais la désactiver? C'est terrible! N'hésitez pas à me tweeter, hein, ça doit être, ça doit être l'assistant au clavier. Un truc comme ça. Voilà, en tout cas, c'est une belle journée d'automne. Il est 20h33, donc dans une heure, hein, sans aucun doute, on est rentré chez nous. Alors voilà, donc il est 20h33, donc dans 26 minutes nous ne sommes plus payés. Pour terminer. Et alors là il va falloir faire un choix. Cette première journée incroyable. Projet voilà. Cars 2 donc en réalité virtuelle et siège baqué. Tu sais qu'on peut trigger des aides, des assistants et des téléphones. Alors je sais pas, mais moi je suis trigger dans tout cas, ça, c'est sûr. Ça peut bouger à 360 degrés. En disant ok Google. Okay, tu dis Google. Ça et les gens qui sont sous enceinte chez eux, ils pètent des plombs avec leur téléphone. Ok Google. Comment vais-je trouver le meilleur massage thaïlandais à Paris? Ok Google, recherche le meilleur sextoy sur internet. Oh là là. Ok Google, envoyez à maman, j'ai tellement envie de sexe ce soir. Ok Google, envoie à maman, j'aime je crois qu'on a rasé les poils. On a bait notre réalisateur qui vient d'envoyer à sa maman un message déplorable. Bref, voilà. Donc oui. Les assistants connectés, nous les aimons. Merci à tous. Winner, tout c'est à donc fait. Évidemment Germany. Les Allemands 4-0 qui gagnent. Incroyable moment de liesse. Voilà. Bien visiblement ils sont ont contents. Été voilà, ils ont été vraiment supérieurs sur le rideau de métal du kebab et un très très bon placement au niveau de la loggia également. Oui. Twidé est content. Il se congratule. Ah. Non, arrête de Oh putain, je le déteste.
Alors que nous sommes de retour sur ce studio, alors certes le studio 2, mais on ne peut pas évidemment tout avoir. Nous sommes de retour, bien entendu, voilà, les Allemands 4-0 donc face aux Italiens. Ouais, incroyable. C'est de pire en pire hein, ici au studio. Studio 2. Au studio 2. Nous sommes en train de dépérir. Voilà. Et toujours debout, toujours présent. Attendez, je cache mon téléphone Lenovo. Moment qui a dit qu'apparemment ils étaient meilleurs quand ils étaient quand alcoolisés. Quand ils étaient un peu éméchés, semble-t-il. L'alcool est à consommer avec modération. En tout cas, on salue le capitaine des pays nordiques hein, qui a été rappelé à l'ordre et qui a serré les mains et baissé les yeux. C'est ça, exactement. Même s'il a un peu fanfaronné. Et bien entendu, en tout cas, ça reste dans l'esprit du sport, de l'e-sport même. C'est pas mal ces plans travelling sur les équipes là. Ah, c'est beau, un moi, beau travail. Bien. Ah, c'est pas mal ces joueurs là. Ah. L'un qui a l'air prêt. Finalement, ça tourne mal. L'un collait, l'un qui est prêt. Très bien. Oh là là, terrible. C'est ce qu'on appelle dans le milieu un retroussage. C'est un retroussage, mon cher Adrien. Eh bien, écoute, Ubisoft a beau être un studio français. Force est de constater que nous ne sommes pas mis en lumière. Ah, moment qui va se battre. Ça y est, il est prêt au combat. Ça fait beaucoup rire son adversaire, mais il va lui mettre une patate. Oh là là, c'est terrible, ça y est. Ah voilà, la caméra sort du cadre. L'incident de la soirée. La violence est de mise dans le studio. Terracide qui en a marre. Ah là, incroyable. Terracide veut retourner dormir. Alors que Momo revient avec l'œil du tigre, il a l'air encore plus ulcéré que lorsque l'on l'a vu précédemment. Il a une coupe de bubule à la main, mais il a quand même l'air très très énervé. On va peut-être recueillir les réactions du capitaine français. Alors attention, je vais te passer mon casque un moment et tu vas pouvoir nous expliquer tout ça. Ça tombe bien, Moment. Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Moment. Donc, j'ai passé une game extraordinaire. Je vais vous juste raconter. Tu peux y aller, de toute façon, il se passe rien dans tous les cas. Vous allez comprendre ce qui s'est passé dans ma game à moi. Je me suis tout simplement, sur les 4 games, fait TK 4 fois. 3 fois par Lutti et une fois par Link. Et donc, il y a eu 7 TK de chez nous, en fait. Donc, on s'est juste éliminé, tout simplement. Mais comment vous avez fait pour être aussi stupide? En fait, le truc c'est qu'on s'aperçoit pas qui est qui et on sait pas aussi l'ennemi. Et vu qu'en fait Lutti est dans une autre salle, il est solo. Quand il se sent solo, il se sent chaud et donc il tue un mec, deux mecs, il dit ouais, je suis trop chaud. Et il voit Revive, ah, peut-être pas. Et voilà. Donc, et en plus, à un moment, il m'a dit putain, je crois que c'est toi que j'ai tué en 2 balles. Super, merci, c'est cool. Et voilà quoi, il était content. Et franchement, je suis vraiment au fond, parce que jouer une game où j'ai pas pu, genre je me suis un peu amusé à tirer, à faire un kill, je vais faire juste un kill, mais à chaque fois me faire TK par mes potes, mourir, c'est frustrant. En fait, c'est perdre comme ça, c'est horrible. Genre là vraiment je vis un moment difficile, donc je suis à ma 8e verre de champagne et je leur ai dit prenez du champagne parce que sinon ce soir c'est sûr qu'on va vomir partout. Et demain, je vous assure que demain on va faire le maximum pour gagner au moins un point pour, je les ai warm up hein, pour la construction de PC. Et surtout pour PUBG je vais tout donner. Alors vraiment si je fais de la merde je pense que vous aurez ma mort à ma conscience Nvidia. Voilà. C'est okay. Juste, voilà. Donc je vous laisse et je vais essayer de boire encore plus pour oublier ce qui s'est passé aujourd'hui. Ok. Allez, bah écoutez, merci à vous tous et adieu. Donc c'était Moment, le capitaine de la France, le capitaine de l'équipe de France. Déchirant. Un témoignage déchirant. D'un homme déchiré. Mais un témoignage honnête. D'un homme déchiré. Non mais j'ai envie de faire des voix de trailer américain, c'est ça, tu sais que je veux faire ça, putain. Right now, Legion GeForce GTX Challenge. A Rudy for the Russian independentists. Et encore, là t'as aucune. Ah là j'ai pas de pêche là. Et puis même t'as aucune reverb, t'as aucun. Ah! Round 4 lost! It's over, c'est fini, bravo! Bravo les Anglais! La 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 la. Hey! Et alors ce qui est là. La 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 la. Incroyable. La.